Ce deuxième jour commença dans le calme. Je venais de rentrer de ma nuit de collecte et pour la première fois depuis longtemps, nous commencions à y voir un peu plus clair. Bruno se sentait mieux, les blessures d'Arika étaient superficielles et même si j'étais légèrement malade avec ma toux, rien de très grave, nous avions surtout enfin un peu de nourriture. À vrai dire, une seule chose m'inquiétait. C'était peut-être mon imagination, mais je trouvais qu'il commençait doucement à faire froid. C'est pour ça, histoire de ne pas être pris de court plus tard, que Pavle construisit une chaudière rudimentaire. Il était hors de question de s'en servir pour le moment, il faudrait continuer à bricoler dessus, car dans cet état, elle serait juste un gouffre à combustible. Après un bon repas chaud, cuisiné par un Bruno qui boitillait encore un peu, nous nous sommes détendus. Chacun vaquait à ses occupations, récupérait de l'eau, écoutait la radio, qui ne donnait aucune nouvelle. Même la nuit fut calme. Pavle alla voir les ruines d'une villa à quelques pâtés de maison d'ici. Rien à raconter sur cette nuit, il se contentera de visiter les ruines, ramenant encore un peu de bois et de matériaux. C'est dans ces moments-là de calme qu'on peut enfin se confier et réfléchir au passé. Pavle nous racontait un bout de son histoire au début de la guerre, quand tout le monde était encore insouciant et que les femmes faisaient la file pour les rations d'eau dans leurs plus beaux vêtements. Vers 10h30, l'homme qui passait régulièrement faire du porte-à-porte passa. C'était l'occasion de troquer tous les diamants que j'avais trouvés au carrefour des tireurs d'élite. Arika s'occupa de la négociation. Finalement, nous les troquions contre de la nourriture, de l'eau et un peu de bois et de matériaux. Nous étions tout proches de notre objectif avec l'atelier à plantes. Notre situation était enfin stable, mais c'est toujours pendant ces moments-là que la tension se relâche. Cette nuit, nous avons fait une erreur. Personne n'a monté la garde. Tout le monde était parti se coucher, sauf Pavle, reparti collecter au même endroit que la veille. Problème d'organisation, distraction, fatigue, peu importe la raison, mais nous l'avons payé. Nous l'avons payé cher. Quand Pavle rentra au matin du 14e jour, c'était un carnage. Nous avions été attaqués dans notre sommeil. Les pillards avaient volé la totalité de notre nourriture. Nous n'avions plus rien. Bruno et Arika étaient gravement blessés. Nous n'avions même pas assez de bandages pour les soigner tous les deux. Quelle erreur. Cette nuit, en ne montant pas la garde, nous avons fait une simple faute d'inattention qui nous coûtera peut-être la vie. Je m'en veux tellement. Perdu pour perdu, Pavle décida de sacrifier la totalité de la nourriture qui nous restait. Il fallait au moins que Arika et Bruno soient complètement rassasiés. Ainsi, le ventre plein, peut-être qu'il leur serait plus facile de guérir. Alors que nous étions affolés par la situation dramatique devant nous, quelqu'un frappa à la porte. C'était vraiment pas le moment. C'était un de nos voisins. Visiblement, une caisse de ravitaillement de largage humanitaire avait été oubliée par les soldats. Ils nous proposaient d'en prendre une partie en échange d'aide pour le récupérer. Malgré la situation à la maison, Pavle accepta. Avec de la chance, peut-être que cette caisse renfermerait-elle des vivres et surtout des bandages. Pavle quittant la maison pour aller chercher de quoi soigner nos amis, c'est moi qui pris le relais, bien que je mourais de faim et que ma toux ne me quittait pas. Seul point positif au tableau, nous avions de quoi bricoler notre lampe à chaleur maintenant. Maintenant, nous pourrions faire pousser des légumes. Enfin, si nous survivons au prochain jour. Je pensais aller collecter la nuit prochaine, mais très vite j'oubliais l'idée. Pavle n'était pas revenu encore de son expédition, et hors de question de laisser Arika et Bruno tout seuls. Leurs blessures étaient encore vives. Tout ce que nous pouvions faire, c'était de les laisser se reposer, en espérant qu'ils passent la nuit. Personne ne collectera cette nuit-là. 15e jour, nous avons encore été attaqués pendant la nuit. Pas de changement au niveau des blessures d'Arika et de Bruno, nous n'avions toujours pas de bandage. Pavle était le seul d'entre nous à être encore en entier, mais il était épuisé et mort de faim. Ça faisait 3 jours qu'il n'avait ni mangé ni dormi. Il essayait de porter à bout de bras toute cette maison, mais je pense que ça commençait à lui peser sur les épaules, et aussi sur le moral. Malgré ma toux qui refusait de partir, je me levais de mon lit pour lui préparer un repas chaud. Lui ne tenait plus debout. Il boitait comme s'il s'était pris une rafale de mitrailleuse dans les jambes, mais ça n'était que la fatigue extrême qui l'avait accumulée. Ce sentiment d'impuissance était insupportable. Nous étions bloqués à la maison à cause des blessures d'Arika et de Bruno et à cause de mon état de santé. J'avais l'impression d'être un boulet et ça me rendait fou. Pour penser à autre chose, je passais le reste de la journée à scanner les stations de radio, sans rien apprendre d'intéressant. Visiblement, de l'aide humanitaire des pays voisins commençait à être larguée par avion. C'était la seule nouvelle du jour, réellement. Le reste nous mettait en garde contre les groupes de pilleurs. Merci, on a vu. Nous ne pouvions plus rester comme ça. L'inertie de cette situation nous mènerait directement à une mort lente et douloureuse. Pavle décida d'aller à l'hôpital de la ville pour chercher des bandages et des médicaments. À l'arrivée, Pavle fut surpris de voir que celui-ci était encore debout, et même encore alimenté. Le panneau lumineux à l'extérieur grésillait mais continuait de fonctionner, et ce alors que l'intérieur du bâtiment avait l'air partiellement effondré vu les débris qui jonchaient les couloirs de l'hôpital. Quelques mètres après l'entrée, un homme cagoulé et armé mit en garde Pavle de ne rien voler ici. Était-il venu pour ça? Était-il arrivé mentalement préparé pour voler un hôpital? Pavle fouillait dans tous les tas de saletés qui jonchaient le sol en espérant trouver des médicaments, mais rien de ce qu'il ne ramassait ressemblait de près ou de loin à des cachets ou à des bandages. La vérité était que oui.
Pavel était venu ici avec en tête de voler quelques bandages oubliés dans une armoire. Juste assez pour sauver Bruno et Arika, mais le destin ne lui accorda même pas l'opportunité d'être malhonnête. Pavel ne trouva aucun bandage, tout juste quelques médicaments dans la besace d'un des médecins qu'il déroba discrètement. Pouvait-on tomber plus bas que de voler un hôpital, surtout quand le butin que l'on ramène n'est même pas ce dont on a besoin ? Pavel repartit vers la maison avec le sentiment d'avoir épuisé sa dernière chance. 16e jour, même chose. Chaque nuit, ça devient plus violent. Le groupe de cette nuit ne voulait pas juste nous voler. Je suis sûr qu'ils voulaient aussi nous tuer. J'ai été blessé en tentant de défendre la maison et mon état de santé s'aggrave. La toux que je traînais depuis plusieurs jours s'est transformée en une bronchite aiguë. Moralement, c'était aussi pire que tout. Bruno était en train d'abandonner. Il pensait que nous étions tous déjà morts. Ah oui, et sinon nous avions aussi maintenant de quoi construire notre atelier à plantes. L'ironie me faisait sourire. Il y a quelques jours encore, c'était notre objectif ultime, la chose qui devait nous permettre de survivre facilement à cette guerre. Maintenant, quelle importance. Demain, nous serions peut-être déjà tous les trois plus de ce monde. La situation était bien trop instable. À cause de ma maladie, je ne pouvais même plus m'occuper de garder la maison la nuit quand Pavel sortait, comme les nuits précédentes. Nous dépendions désormais à 100% de Pavel. Personne ne pourra sortir collecter cette nuit. Et j'avais peur que personne ne puisse sortir collecter avant un bout de temps. 17e jour. Je maudis cette ville et ses habitants, saletés de voleurs et de criminels. Qu'ils aillent tous pourrir en enfer. Nous avons encore été attaqués. Ils s'en sont pris à moi et à Bruno. À Bruno. Il est déjà mourant et ils l'ont attaqué. Je crois que c'est foutu. Il s'en sortira pas. Ses blessures sont mortelles. Toutes les heures, il gémit doucement dans son lit en se vidant de son sang, demandant qu'on s'occupe de ses blessures. À 10h30, quelqu'un frappa à la porte. Il ne pouvait pas mieux tomber. On dirait que le destin nous avait entendus et nous accordait une ultime chance. C'était le vendeur qui passait de temps en temps pour faire du porte-à-porte. Et Dieu merci, il avait sur lui des bandages. Pas le temps de négocier, c'était trop urgent. Nous échangions avec lui la moitié de notre nourriture et de nos matériaux les plus précieux en échange de bandages et de médicaments. Avec un peu de chance, Bruno vivra. Arika n'a même pas voulu qu'on l'aide à mettre des bandages. Malgré sa grave blessure qui était encore grande ouverte, elle tenait à se lever pour aller elle-même se poser les bandages. Ça allait un peu mieux, mais cette nuit-là encore, personne ne sortira. J'ai utilisé les tablettes de médicaments pour essayer d'aller mieux parce que demain sera une journée cruciale. Peut-être la plus cruciale depuis le début de la guerre pour nous. Nous n'avons plus assez de nourriture, plus de médicaments. Cela fait plusieurs jours que nous ne sortons plus, nous contentant de rester à la maison en espérant que la situation s'arrangera, que nous guérirons de nos blessures. Maintenant, c'est terminé. Plus le choix. Nous devons sortir. Il y a un énorme entrepôt tenu par des bandits, non loin d'ici. Il est lourdement défendu, mais on y trouvera tout ce qu'il faut. Nourriture et médicaments. Terminer la défense. Place à l'attaque.